Anguichok. President, please visit it. The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. And this afternoon session, the chamber cet après-midi is going to hear the submissions from party on two requests. Des parties concernant deux demandes. One from the defense counsel for Nguyen Chia, émane de la défense and another de one Nguyen from Chia, the co-prosecutors. Et l'autre de l'accusation. Then the chamber will hear the ensuite, testimony of witness 2 TCW 919. Because the chamber would like to hear the oral submission from party first, so that the chamber will have sufficient grounds la chambre to issue its ruling. Pour disposer de suffisamment first, d'éléments afin de se prononcer. The chamber would like to hear premièrement, the oral submission from parties on the first request by Nguyen Chia's defense counsels, de who requested de Nguyen Chia, that the chamber admit eight documents related to witness to TCW 919, who is scheduled to testify today, and that witness to TCW 919 provide a copy aujourd'hui of the book he authors, and that book be admitted into evidence. Ordonne à the ce chamber gives the floor to Nguyen Chia's defense counsels de to brief livre, us about their request. You may now have the floor. Être déclaré recevable en tant qu'élément de preuve. You, la défense de Nguyen Chia à la parole. Maître Copé, merci. Yes, bon après-midi. Effectivement, the chamber to admit, nous demandons à la Chambre de déclarer recevable en tant qu'élément de preuve huit documents ayant trait au témoin de TCW 919. Very briefly, très brièvement, also for the benefit of the public, également à l'intention du public, first document je dirais ceci. Is le premier report from OCIJ investigator de l'enquêteur du BCJI Bernard Brun. It relates his encounter with ses contacts 919. Avec le témoin 919. The second document deuxième is document, Phnom Penh Post. C'est un article du Phnom Penh Post. Article of 16 August 2002. Daté du 16 août 2002. Titled Who Owns Tool Slang Photos, written by Patrick Folby. Article de Patrick Folby. Third document, troisième document is also Phnom Penh Post article. It's called Tool Slang Photographer Begins Building Khmer Rouge Museum, written by Sam Ritt. Fourth quatrième is document, an article from the University of Minnesota. De Université du Minnesota. Which states that because the original negatives and photographs made by the Khmer Rouge were separated from S21's dossiers, Khmer Rouge ont été identifying individuals des is quite difficult. De S21, it que is par conséquent, a publication from the Center for Holocaust and question. Genocide Studies. Il s'agit d'une publication du Center for fifth Holocaust document, and Genocide Studies. Cinquième document is présent. An article from the Cambodia article Daily, du Cambodia Daily 6 March 2015. It's called intitulé S21 Photographers S21 Book Photographers Sales, sales Banned band at, museum, at Museum, written by Kun un Narim. Article de Kun Narim. The sixth document, sixième document. Are il s'agit most likely photographs très probablement of de photos TCW 919. We would like at one point in time show nous aimerions the à un moment indeed, the photos and ask him whether indeed that is et lui demander the portrait of him. Si c'est bien lui qui y figure. Document 7 is a photo of S21 ensuite, guards. Document 7, photo de gardien de S21. It is coming from Nick Dunlop's book, ce sont des photos tirées The Lost Executioner. De Nick Dunlop. The and, Lost Executioner. The eighth and final ensuite, le dernier document, c'est le huitième. President, that we would request to have admitted to the case file is a photograph photo of Chin Met,
de Chin Met. It's a photo which is on display at the Tuol-Sleng Museum. Photo exposée au musée de Tuol-Sleng. She testified that at one point she was detained at S21, indiqué avoir été was subsequently sent to pour être ensuite envoyé S24, I believe. In any case, we would like to confront the upcoming witness with this photo. Présenter aux témoins à venir. Some documents were available. Certains documents prior to the étaient disponibles avant l'ouverture du procès. I will fully admit that we, in relation je to certain le reconnais documents, volontiers. However, pour certains documents, notre demande est un peu tardive. As discussed yesterday, néanmoins, when the civil parties came with Chumai's book. Of course, we were lenient. La partie civile saw the relevance of that book being admitted. So I hope at this stage, ou plutôt, nous avons fait preuve d'indulgence. Nous avons accepté que soit versé au débat le livre de la partie civile. Et à présent, nous espérons que la chambre sera clémente envers nous à son tour. Known to us that this particular witness would come testify. That was only known recently. Ce n'est que récemment qu'on a appris que ce témoin vient de déposer. That all eight documents je pense que les huit documents devraient être déclarés recevables dans l'intérêt de la justice. Nous demandons donc qu'ils soient versés au dossier. Je vous remercie. Le Président. President, thank you. Counsel Victor Coppe. Merci, Maître Coppe. Could you please let us know whether the book you requested that was authored by witness 2TC 919? Do you know whether the witness bring along Savez-vous the book with him? Savez-vous si le témoin a apporté ce livre? Yes, Mr. President, Maître I apologize for oui, omitting excuses, that. J'ai summarizing our request. Ce point, we have tried, en résumant notre demande, to, nous avons tenté d'obtenir book, un exemplaire de ce document, mais en vain. It's actually, I suppose, the en same réalité, as the book that I just je mentioned, pense que c'est comme le cas the witness or civil party. Du livre de Chumai. Nous ne l'avons pas non plus. Nous supposons que lui-même en a un exemplaire. We haven't been able to talk to him, nous n'avons pas pu, bien sûr, sure parler avec ce témoin 919. Je ne sais pas si l'unité d'appui au témoin expert a pu le contacter et, le cas échéant, lui communiquer cette demande. À supposer qu'il revienne demain, s'il n'a pas ce livre avec lui aujourd'hui, on peut espérer qu'il l'amènera demain. La juge Fence, une question. Demandez-vous que soit déclaré recevable en tant qu'élément de preuve un livre que vous n'avez pas lu? Comment savez-vous que ce livre est pertinent? La défense. Good question. C'est une très bonne question. We need to have a look at it first. Il nous faut d'abord pouvoir voir ce livre. Nous présumons qu'il est pertinent, puisqu'apparemment il concerne l'expérience du témoin en tant que photographe de S21. Nous présumons que le livre porte sur son voyage en Chine et autres activités de photographie. La juge Fens, qu'est-ce qui vous fait présumer cela? Avec la meilleure volonté du monde, comment peut-on demander de verser au dossier un document que vous n'avez pas lu? La défense. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Mémoire personnelle de Nhem. Je présume que ce livre ne concerne pas son dada qui est de s'occuper de chiens. Le titre lui-même me fait penser que le livre concerne les faits faisant l'objet du présent segment du procès. Thank you. Now the chamber gives the floor to the la parole est à présent co-prosecutors à l'accusation to provide response or an observation to the request by defense counsel à la Fon Mujie de la défense de Nguyen Chia. Thank you, l'accusation. Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I have a
some general observations. J'ai des observations générales and à perhaps formuler. One of the exhibits that we would object to. Et ensuite, nous allons let me start by saying formuler that notre objection concernant une des pièces demandées. The reason offered for putting forth some of these documents la défense demande is to show à verser that this witness lacks credibility. Au dossier certaines pièces pour montrer le manque de crédibilité du témoin. C'est un peu bizarre. C'est la défense de Nunchia elle-même qui a demandé à ce que ce témoin soit cité. À ma connaissance, aucune autre partie n'a appris une telle demande. Or, à présent, la défense souhaite verser au dossier un document portant atteinte à la crédibilité du témoin de la défense. The documents still may have some relevance. Cela dit, les documents pourraient, dans certains cas, avoir une certaine pertinence. Je ne demande pas à la Chambre de rejeter la demande. Je fais simplement signaler que cette demande est quelque peu étrange. Passons-les en revue. Premièrement, rapport investigator, we have de l'enquêteur du BCJ. No objection, pas d'objection de notre part. Document number one. Number two, document numéro 2, Phnom Penh Post article du Phnom Penh Post. I'm not sure that the Nunchia team is je ne suis interpreting pas certain this article correctly. Que la défense de Nunchia there bien are 6,000 negatives, I understand, of photographs document, that do exist. Y a 600 000 there are also, de it is also existent. True that there are a en large outre, number of prisoners who are recorded in lists for whom there have not been recovered photographs et dont on n'a pas retrouvé de photos ou de négatifs. That said, we have no cela objection étant, nous n'avons pas d'objection. Document number two. Concernant ce document numéro 2. Similarly, document number three, which is put pareil forward pour le document numéro 3, question the credibility of il s'agit witness, de mettre en cause la crédibilité du témoin. That, si la défense no de Nunchia veut le faire, nous n'avons pas d'objection. Document number four. Document numéro 4 is I wouldn't say it's an article, it's a part article, of the website from the University of Minnesota de l'Université that de Minnesota, has a description of où l'on trouve the, an S21 photo exhibit that d'une photo was used in many S21 places around the world called Facing Death. Dans I'm not sure it's monde. Particularly probative. Facing Death. They do make the point, je ne sais pas there si is a reference a in here probante. To the fact that at the time, most of the photographs that had been recovered la from S21 could not be identified because they had pas pu separated from parce qu'elles avaient the été séparées biography files to which they were apparently originally attached. I would note, just so your honors, to bring everyone's attention to this, that there was an par additional ailleurs, 1,000 photographs that were recovered by DC CAM qui ont été retrouvées par le that CDCAM do have identification information on them. Et qui comportent des informations permettant d'identifier les intéressés. S21 will need to ask witnesses about this, but someone at S21 either wrote the names le fait qu'à and some S21, quelqu'un a dû inscrire un nom entry information on the back et certaines informations au dos de la photo. Photographs from 1978 ou alors ce sont des photos de 79, using, année où on a 78, name signs se reprend l'interprète, that the name, année date of où on a commencé à indiquer le nom, la date d'entrée et autres informations. This is it's approximately 1,000 photos. Cela représente environ 1000 there is a list of them that has been admitted as une E3/9214 by your honors. The photos were originally not available from DC CAM because they were being used as an exhibition. Au CDCAM, car they were submitted, copies were provided by DC CAM, des and copies a ont filing présenté from, par le CDCAM. I believe, Monday of last week, et 11th of April, le 11 avril, lundi passé, je pense, that correspond, to list les photos correspondant à la liste E3/9214 ont été versées au dossier sous la cote E3/9214.1. On Monday of last week. Cela remonte à lundi dernier. Et je vous dis ceci parce que ce document a été mis sur l'interface. Il est probable que les différentes parties souhaitent utiliser des photos avec ce témoin ou avec les suivants. À présent, il y a un grand nombre de photos portant
des informations permettant d'identifier les intéressés. Documents proposed by Nhem à la liste de documents de la défense de Nhem, document numéro 5. Number 5 is one, honestly, I'm not sure that this is of particular relevance or probative value. De la valeur probante et de la pertinence de ce document, c'est un article où il est question du fait que le témoin n'a pas été autorisé à vendre son livre dans le contexte de S21. Il y a des commentaires d'un fonctionnaire et également de Chum Mei. This witness is not selon a victim, quoi, ce témoin n'est pas une victime est bien un cadre. Et partant, l'idée que cette personne ne devrait pas être autorisée à vendre son livre. Il s'agit d'un livre que la défense espère pouvoir se procurer. Donc le témoin n'a pas été autorisé à vendre son livre S21. Je doute fort que ceci puisse affecter la crédibilité du témoin. It's not an article of great importance, but quoi qu'il en soit, ce n'est pas un article très important. Nous ne considérons toutefois pas que ceci est de la valeur probante. Number 6, the photographs of numéro 6, photos du témoin, pas d'objection. Number 7, photographs of S21 septièmement, guards, photos de gardien d'S21, no pas d'objection. Number 8, document 8, no objection, pas d'objection. But I do note, mais that counsel describes this as la défense décrit ceci comme étant une photo provenant de S21. In the very testimony that is cited, it was identified as actually a photograph taken at Presar S24. Le témoignage a été identifié comme une photo prise à Presar S24. It's unclear. This civil party was unsure la partie civile of where ne savait pas exactement detained, où elle avait été placée en détention initialement, mais elle a été reconnue en tant que partie civile dans le dossier numéro 1 de par sa détention à Presar S24. Cela étant dit, la défense a le droit de présenter ce document au témoin pour lui demander s'il sait si la photo a été prise à S21, S24. So we have no objection to it. We just pas d'objection donc. Some of the assertions nous relevons simplement que nous contestons certaines des affirmations figurant book, dans le document de la défense, dans la requête de la défense. J'en viens au livre. We have no objection if the witness is willing pas d'objection, à condition que le témoin book, soit prêt à remettre no un exemplaire de son livre. Cela peut être versé au dossier. En revanche, in the witness's si cela doit provoquer un retard dans la déposition ou dans la convocation ultérieure du témoin, là, c'est autre chose. Si la défense avait voulu se procurer le livre à l'avance, il aurait fallu le dire plus tôt. We don't take any issue based on 87.4. Simply, we nous don't contestons pas the fact that cela au titre de la règle 87.4, mais nous notons que le versement au débat de ce livre ne doit pas contribuer à retarder les débats. Si le témoin est prêt à remettre son livre et si la Chambre est prête à le verser au dossier, nous n'avons pas d'objection. Le président, merci. Qu'en est-il des co-avocats principaux pour les parties civiles? Avez-vous des observations ou des réponses? Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Pour la totalité des documents, with regard to the totality of the documents, except for one, nous nous en rapportons, we comme will à rely, as usual, on the Chamber's wisdom. Pour la requête now, with regard to the request livre, regarding the book, elle nous paraît prématurée this dans request la seems premature. Insofar that neither the party at the source of this request nor the other parties have been able to become apprised of this element, therefore it seems difficult for the chamber to rule on a document that no one knows anything about or has seen, rather. I'd like to underscore that this situation is perfectly different from qui s'est produite hier avec the situation that occurred yesterday livre de la partie civile Chum Mei, puisque nous avions fait une requête. Since à we l'appui had de cette made requête, nous avions request, produit to support this request, en trois langues les extraits que nous voulions voir produits en preuve, et donc toutes les autres parties
ont eu la possibilité de lire les extraits et de se prononcer sur la pertinence de l'admission en preuve de cet ouvrage. Donc, la situation est absolument différente avec ce qui est présenté aujourd'hui. La défense demande d'admettre en preuve un document que personne n'a vu. Into evidence, a document cela that no one has seen. However, of course, we do not object to the fact that the question be put to the witness. And if the witness volontairement cet ouvrage, la question pourra être réexaminée à partir du moment où toutes les parties ont la possibilité de prendre connaissance as de l'ouvrage et de se prononcer sur la requête qui serait faite par la défense to, sur l'admission en preuve de cet ouvrage. Admitting this book into evidence or not. Le président, en dernier lieu, la Chambre donne la parole à la défense de Kyo Sampan qui pourra formuler ses observations, le cas échéant, concernant la requête de la défense de Nguyen Chia. Maître Kang Somon, Monsieur le Président, la défense de Kyo Sampan n'a aucune objection à la demande de la défense de Nguyen Chia. Le Président, Maître Copé, souhaitez-vous répliquer? Thank you, Mr. President. Yes, very, very briefly. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, je vais répondre au premier argument de l'accusation et au dernier argument de la co-avocate principale. Pour la défense, le gros problème, c'est que nous ne sommes pas autorisés, depuis le début, en 2007, à mener à bien nos propres enquêtes ou à parler aux témoins. Nous dépendons pleinement de ce que nous trouvons dans le dossier. Effectivement, nous avons demandé à ce que le témoin 919 soit cité à comparaître en nous appuyant sur son PV d'audition dans le dossier 002. Mais ensuite, il a été entendu à nouveau par les enquêteurs, ce qui nous a amené à vouloir déterminer si sa fiabilité et crédibilité étaient telles qu'il fallait accepter son témoignage. Même chose pour son mémoire. Nous ne sommes pas autorisés à le contacter directement pour lui demander son livre. Nous serions immédiatement chapitrés. Notre situation est donc difficile en tant qu'avocat de la défense, car nous ne pouvons pas mener à bien nos propres investigations, ni contacter des témoins. C'est pour cela que nous avons présenté cette requête un peu inhabituelle tendant à ce que la Chambre demande au témoin d'amener son livre. C'était la seule façon de procéder pour nous. Même chose pour la question de la crédibilité. Si nous avions pu nous entretenir avec lui, peut-être que nous n'aurions jamais demandé à ce qu'il soit cité à comparaître. Rappelons aussi happened within the photography unit. We originally requested the chief of qu'initialement, nous avions demandé la comparution du chef de l'unité de photographie. Ce n'était pas donc le témoin 919 notre témoin de choix à ce sujet. Cependant, c'est la Chambre qui a décidé de convoquer 919. Et à un moment donné, nous espérons que le chef de l'unité de la photographie sera également cité. La juge, une question concernant ce livre, ce mémoire comme vous l'appelez. Effectivement, vous n'avez pas pu le demander vous-même, mais vous auriez pu demander à la Chambre d'obtenir ce livre. And not bring it on the same day, actually, you want to use it. Sans faire la demande le jour même, la défense. Nous avons fait notre demande le premier jour du nouvel an Khmer. On a envoyé hier matin un exemplaire de courtoisie. Certes, le préavis est un peu court, mais interruption de la chambre. C'était des vacances judiciaires officielles, pas de séance pendant une semaine.
Je ne pense pas que vous ayez d'ailleurs pu déposer cela. So, la défense, je l'ai déposé hier matin. You saw the request yesterday morning. Nous avons... You asked us yesterday to file submissions or to come with vous nous avez demandé hier de présenter des observations. La Chambre aurait pu demander à Vessou de demander aux témoins d'amener le livre. We did within a day, yeah? La Chambre, on l'a fait en une seule journée. The chamber le président would like to hear oral submissions from parties. La chambre souhaite entendre les arguments concernant la deuxième demande, celle qui émane de l'accusation et qui concerne l'avocat cambodgien Pong Somphone et le rôle qu'il a joué dans le passé en tant qu'avocat de témoin au procès. Kung Somphone used to be Maître Kong Somphone duty counsel a été in previous le trial witnesses. L'avocat de certains témoins dans and le that's passé, why the co-prosecutor raison pour laquelle l'accusation a déposé this. Une demande. And now the chamber gives the floor to the co-prosecutors to brief us about their request. The floor is yours now. Thank you, Mr. President. L'accusation. I'll be brief. Merci. Je serai concis. We've indicated our position in our filing E397. First, I want to make it very clear we're in no way suggesting that Kong Samon should be removed because of the situation. But there are conflicts that are presented here. Certains conflits qui surgissent ici. This issue was initially raised La question by other a été soulevée initialement par d'autres parties. There was an email from un the courriel senior legal a été envoyé par le juriste hors classe way of dealing with the conflicts. Présentant une solution and, possible. In our view, there was two additional Pour nous, things that, il y avait deux choses en plus que la Chambre devait prendre en considération. Nous avons recommandé de protéger les intérêts. Nous avons demandé à la Chambre de faire des choses pour protéger les intérêts de tous. Agreements or waivers from the witnesses that had been represented souhaite demander le consentement des témoins qui ont été représentés à l'époque par l'actuel avocat de Kyu Sampan. Un accord ou un document de prononciation devrait également être obtenu de la part de Kyu Sampan. Donc, le client actuel et les anciens témoins ont un intérêt dans cette affaire. Au cas où il y aurait déclaration de culpabilité, on appelle que son père pourrait invoquer le fait que son avocat avait dans le passé représenté des témoins. Voilà le risque qui existe. Il y a une solution simple à ce conflit, me semble-t-il, à savoir obtenir l'accord des témoins et de Kyu Sampan. Conflict ethics Ensuite, involve the appearance of il y a un conflit quant à appearance of propriety is an important part of that la régularité du procès même si we submit that it would be better cet accord est conclu, nous faisons valoir qu'il serait mieux que Maître Kong Samon ne soit pas celui qui interroge les témoins. The international council ceci we recognize, met un peu plus de charge sur l'avocat international. That, je le comprends, mais dans le cadre de cette situation, it would be better, and it's easy enough for him simply not to ask questions of il serait préférable qu'il n'interroge pas les témoins et qu'il a eu à représenter par le passé. Steps that we have suggested in voilà our les deux filing, étapes supplémentaires que nous avons suggérées dans notre demande pour résoudre ce problème et gérer cette situation. And I'll give the floor to the lead co-lawyers for civil parties je vais passer if la parole you wish to make a response aux to the pour les parties civiles, by aux co-avocats pour les parties civiles pour répondre aux observations des procureurs.
But good afternoon, Your Honours. Bonjour, Honorable Judge. To the request by the co-prosecutors, we the lead co-lawyers do not have any response to make and rely on Your Honours' wisdom. Nous en remettons à votre sagesse. And I'd like to give the floor now to the defense for Nunchi, if you wish to make a response to the request by the co-prosecutors. Une réponse, pardon, à la demande des co-procureurs. Yes, very briefly, très brièvement, Monsieur le Président, c'est la défense. C'est la défense de Kyo Sampan qui pourrait réagir comme il se doit à cette requête. Mais je vais faire une ou deux remarques. Je trouve que la position du procureur est assez remarquable. Je rappellerai au procureur la situation qui s'est posée en appel. The incomprehensible advice, I might add, from the chief of the defense office to appoint a standby counsel. De la défense après une décision inexplicable de commettre d'office un avocat de permanence, pardon. That was the lawyer of Ing Tirit. C'était l'avocat de Interit. Il y a eu un gros conflit d'intérêt entre Interit et notre client. Suggestion for appointment by the chief of the defense was even cette décision de commission d'office national lawyer par to be standby counsel le, in appeal. Le chef du bureau de la défense. C'est également posé un appel avec l'avocat de Dutch. C'était une décision incompréhensible. Le procureur n'a jamais osé intervenir, n'a rien dit à ce sujet. Et subitement, il semble très inquiet du conflit d'intérêts qui pourrait surgir au sein de l'équipe de défense de Kyo Sampan. Je crois que la défense de Kyo Sampan est mieux placée pour dire s'il y a un conflit d'intérêts ou non. À mon sens, il n'y en a pas. J'aimerais rappeler à la Chambre une discussion que nous avons eue avec les co-avocats pour les parties civiles, notamment le conseil Limo Lien, en ce qui concerne un témoin. Qui posait un conflit d'intérêts potentiel. Murderer of his own wife, but also the person cette personne who had aurait told the tué story, sa propre the same femme, story, to her. So that's to mais us, également la personne qui lui aurait raconté la même histoire. Or at least the appearance of, il y a eu un clair exemple. C'était un clair exemple de conflit ou d'apparence de conflit. Et subitement, de l'autre côté du prétoire, on entend parler de conflit d'intérêts au sein de l'équipe de Kyo Sampan. Of at least a certain double standard. Je crois que il y a ici, c'est ici la preuve de l'existence de deux poids deux mesures. And lastly, I'd like to give the floor to the defense team for Kyo Sampan. Je vais passer la parole à l'équipe de défense de Kyo Sampan. To respond pour terminer, to the request by the co-prosecutors. Afin qu'elle réponde à la demande des co-procureurs. Maître Kounsamon, vous avez la parole car ce point vous touche particulièrement. As well as your function here at this court. Ainsi que la fonction que vous exercez you, au sein du tribunal. Kyo Sampan, merci que Kounsamon. Bonjour, honorable juge, et à toutes les parties. I'd like to summarize the issues. J'aimerais résumer la we question. Knew that certain witnesses were, nous savions que certains témoins summoned to testify in relation ont to été cités à comparaître dans le cadre du segment S21 et les centres de sécurité dans le cadre du dossier 002/02 et j'ai été conseil de permanence dans le dossier 1 et j'ai représenté des témoins dans le cadre de ce procès. Je ne vais pas citer leurs noms à ce stade. The chamber on 29 nous avons notifié la Chambre le 29 mars sur cette question. Hier, nous avons reçu
request by the co-prosecutor. Une demande écrite de co-procureur. And we also have heard a summary of that request. Et nous avons lu un résumé de cette demande. That is in relation to my prior witnesses that I represented. La représentation antérieure de certains témoins. Le procureur soulevait la question du conflit d'intérêts. That my prior representation of those trial en disant que le fait que j'avais par le passé représenté ces témoins dans le cadre du dossier 01 pouvait poser un conflit d'intérêts avec le dossier 002 et ma représentation de Kyo Sampan. C'est une grave erreur de leur part. I provided my consultancy through trial j'ai witnesses offert mes services de représentation witnesses of the chamber and à they des are témoins not the accused. Au procès. Ce sont des témoins cités par la Chambre et non pas des accusés. During deuxièmement, those, testimonies of the trial witnesses, lors there is no des dépositions de ces témoins, that allege Kyo Sampan as their leaders or their supervisor. Ils n'ont évoqué aucun fait alléguant que Kyo Sampan serait leur dirigeant therefore, ou leur superviseur. Il n'y en avait aucun. There is no conflict of interest whatever il n'y a between donc pas Kyo de conflit d'intérêt entre Kyo Sampan et ses procès et ses témoins cités à comparaître. And the second point that I raised. Le deuxième point que je vais soulever est inclus dans nos écritures adressées à la Chambre le 29 mars legal officer, par le biais du juriste hors classe. The chamber responded la Chambre a répondu in my capacity en disant legal representation que of Kyo Sampan, moi, en ma qualité de représentant légal de Kyo Sampan, the four witnesses, ne devait pas interroger so that I les quatre témoins cités the confidentiality between afin my client de maintenir and la confidentialité and I believe qui existe entre mon client et moi-même. Is sufficient, to address à mon sens, the issue cette rest. Procédure est suffisante pour résoudre le problème posé. Third, it is my troisièmement, observation that the relationship j'ai constaté the communication between the client and the lawyer que la communication entre le client et son avocat is not subject to the interference of the office of the co-prosecutor. The chamber has n'est pas soumise à une quelconque ingérence du bureau des co-procureurs. La Chambre a le pouvoir de traiter de cette question, comme je l'ai dit au départ. Duty counsel, j'ai précisé que j'étais conseil de permanence de ces quatre témoins et qu'il s'agissait bien des témoins et non pas des accusés. Ces témoins n'ont rien à voir avec les accusés que je représente actuellement en l'espèce. Fourth, in relation to the request quatrièmement, by co-prosecutors, relativement that à la requête des a written waiver, co-procureurs, ils ont exigé que Kyo Sampan présente un document de renonciation écrit. I believe this is not necessary. Since, en ce qui concerne le conflit d'intérêts, je pense que cela n'est pas nécessaire que Kyo Sampan le fasse, car il est bien informé du fait que j'avais auparavant représenté ces quatre témoins avant de devenir son conseil. Is based on his awareness of my previous que Sampan est donc counsel informé to those witnesses. Que j'avais fourni des services de représentation à ces quatre témoins. Fifth, it is also my observation cinquièmement that the co-prosecutor alleged j'ai issue of the conflict of interest le of Kyo Sampan soulève la question du conflit d'intérêt avec Kyo Sampan. Such allegation je is against the que de telles allégations current facts and what we have vont à l'encontre des faits établis. Kyo Sampan, in his capacity as the state president que of the presidium, he has en sa qualité de président du presidium d'État, n'a aucun lien direct ou indirect with
any other four upcoming witnesses. Avec l'un quelconque des quatre témoins cités à comparaître. For that reason, it is impossible that such conflict of interest might arise in this case. Pour ces motifs, il est impossible qu'un tel conflit d'intérêt puisse surgir en l'espèce. And lastly, I'd like to remind pour terminer, everyone j'aimerais rappeler that it is à tous my duty and responsibility qu'il est de mon to devoir et de ma responsabilité the confidentiality of my client d'assurer la confidentialité. And because of that responsibility, de mon I raise an issue to the chamber in relation et to those four en raison de cette witnesses, question de confidentialité, although they are not my clients, j'ai indiqué à la chambre que même si ces quatre témoins my, ne sont pas des clients, representation for a short period of time in another case, and je les ai représentés to do with this case. Pendant quelque temps dans une autre and affaire qui n'a rien à voir avec le présent dossier. No contact or et depuis 2009, je n'ai entretenu aucun contact, reason, quel qu'il soit, no avec I ces témoins. Il n'y a donc pas de motif de dire que j'exercerai une quelconque influence sur ces quatre témoins. To sum up, pour me résumer, I agree to the solution to, by the je conviens avec trial la, chamber se souscrit à la solution adoptée par la chambre de première instance, à savoir and de ne pas procéder à l'interrogatoire de ces quatre témoins, et j'estime que no cette procédure est suffisante. Thank you, Your Honor. Il n'y a donc pas lieu d'adopter une autre mesure quelconque. We go into je vous remercie. Discussion about je fais un avant just in case the chamber d'aborder thinks there notre might débat be one. Sur le conflit d'intérêts. Are you basically si or is your team willing to do un, two things? And you have basically answered the first one. You will not ask questions. Did I understand it correctly? You will not question this vous witness. Vous avez dit clairement que vous n'interrogeriez pas ce offered, témoin. Basically. C'est la mesure que vous proposez. Est-ce que je vous yes. ai bien compris? And the second one, oui, dit la juge Fens. Would Mr. Ke Sampang mind deuxième question. Putting on record Monsieur that he waives his right to raise par écrit the issue of a possible conflict of interest arising from this double representation, l'existence d'un éventuel conflit qui découlerait de cette double représentation. Si oui, nous pourrons avancer. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant pour que cela soit consigné au procès-verbal? Peut-être une précision pour compléter ce qu'a indiqué mon confrère. Ce que nous avons proposé, puisque là peut-être que pour le rappel des faits, nous rappelons que c'est nous, l'équipe de Que Sampang, qui avons soulevé la question. C'est nous qui avons soulevé la question, non en expliquant très clairement que nous estimions qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, mais que nous soulevions la question simplement pour que les témoins soient à l'aise et qu'il n'y ait pas de problème. Donc que nous soyons clairs, sur un plan juridique, nous estimons qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour les raisons que vient de rappeler mon confrère. Et ce que nous avons proposé, c'est non pas dans l'absolu que mon confrère comme Samon ne pose pas de questions, mais que l'on puisse soumettre la situation aux témoins et qu'ils puissent décider si ça leur posait un problème notre confrère comme Samon lui pose des questions. Donc c'était en deux temps, c'était d'abord informé de la présence de M. Kong Samon dans l'équipe de défense de M. Ke Sampang, que les témoins sont informés et que dans un deuxième temps, ils indiquent s'ils voyaient un problème à ce que malgré le fait qu'ils soient tenus évidemment à la confidentialité de leurs échanges et malgré le fait que nous estimions qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, nous proposions que je sois en tant qu'avocat international la seule à poser des questions si cela posait un problème aux témoins. Et là, c'est un point important également en réponse à l'accusation qui est de dire la vraie question qui se pose, c'est quelle est quelle est la position des témoins, pas tant quelle est la position de l'accusation, mais quelle est la position des témoins qui savent exactement ce qu'ils ont dit. Et encore une fois, nous avons au dossier les déclarations de ces témoins et nous avons au dossier leur témoignage devant cette chambre dans le procès 001 et jamais personne n'a mis en cause personnellement
Monsieur Kyusampan. Donc, à ce sens-là, dans ce sens-là, nous estimons qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais que ce soit clair, la position que nous avions, c'était de dire il convient d'informer les témoins et qu'ils puissent dire s'ils se sentent à l'aise ou pas à l'aise d'être interrogés par mon confrère comme ça. Quant à la position de Monsieur Kyusampan, le principe est qu'il a désigné mon confrère Kung Samon après que celui-ci soit intervenu dans le procès 001 et qu'il n'a jamais considéré qu'il y avait un conflit d'intérêt et qu'il n'a pas de problème à ce sujet. Donc je trouve que la question d'une, je ne sais pas comment on traduit waiver en français, mais la question de la décharge ne se pose pas. Monsieur Kyusampan a parfaitement confiance dans les qualités professionnelles et déontologiques de son avocat et il n'y a pas de raison de faire une tempête dans un verre d'eau. The ethical qualities of his lawyer, and so there shouldn't be any problem as far as conflict of interest is concerned. Why isn't your client willing to put on the case file that he will not Monsieur raise Kyusampan on appeal? Est donc prêt à dire qu'il ne soulèverait pas le conflit d'intérêt en appel? Issue. La question du conflit d'intérêt ne sera pas soulevée en appel par Kyusampan. Est-ce que Kyusampan est prêt à faire cette déclaration? Si tout est clair. Sinon, pourquoi ne veut-il pas le faire? Si j'ai bien compris, le procureur, il voudrait éviter que Kyusampan ne se lève en appel pour dire « J'ai été représenté par un avocat qui en a représenté d'autres dans une autre affaire et soulevé donc la question du conflit d'intérêt. La seule question ici, c'est que Kyusampan puisse émettre un document de renonciation ou de dérogation par rapport à la question de conflit d'intérêts en appel. Madame le juge Fens pense que nous avons un problème de communication. Nous n'avons jamais dit que M. Kyusampan se refusait à faire un tel document. Nous avons simplement dit que nous, puisqu'on nous demande notre avis, nous estimions que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, la Chambre prendra la décision qu'elle souhaite, mais nous, on estime simplement que ce n'est pas nécessaire. Voilà. We, for our part, think it's not necessary to make such a declaration. But is he willing to do it now so we can close this discussion? Est-il prêt à le faire maintenant pour qu'on puisse clore le débat? Perhaps after having consulted with his lawyers. Peut-être après avoir pris la tâche de son avocat, après consultation avec son avocat. Excusez-moi, simplement, c'est très compliqué de discuter avec M. Kyusampan compte tenu de ses problèmes d'oreille en salle d'audience. Donc si vous souhaitez que nous puissions confirmer sa position, il faudrait nous autoriser à avoir 5 minutes de suspension, qu'on puisse parler dans un endroit où on n'est pas à hurler pour pouvoir s'entendre. Speak aloud. I'd like to get a confirmation from the chamber if the chamber decides that Kyusampan will make a written waiver or make an oral response right now. Kyusampan fasse un document écrit ou plutôt apporte une réponse orale. Kyusampan is in a position to do so. Sur cette question. L'accusation, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, l'avocat President. Pour le parti civil, pardon. Je vous remercie de me redonner la parole, mais Thank je voulais réagir à ce qu'a dit notre like confrère Copé au sujet de l'avocate des partis civils, Liman Nguyen. Notre confrère nous a habitués aux approximations et aux représentations erronées des preuves et des débats.
Nous y sommes habitués, ça ne s'arrange pas. Et là, j'avoue que je commence à être un petit peu choqué par la façon dont les éléments qui ont été discutés à l'audience sont discutés. Premièrement, nous ne nous sommes pas joints à la demande des coprocureurs sur la question du conflit d'intérêts. Mon confrère, en pic, a été très clair. Nous nous en sommes rapportés à l'appréciation de la Chambre de venir aujourd'hui nous reparler de cette histoire absolument grotesque de potentiel conflit d'intérêts avec notre consoeur Liman Nguyen. Je trouve ça injuste et profondément ridicule. Donc soit la défense a réellement quelque chose à dire là-dessus, et elle le fait, et elle le fait par écrit, mais de venir aujourd'hui sous-entendre qu'il y aurait un problème et que nous viendrions à prendre une position différente alors que nous aurions soutenu une consoeur dans une position de conflit d'intérêts, c'est inexact. C'est inexact et c'est choquant. Donc que notre confrère arrête les approximations, les raccourcis, les représentations erronées des preuves et des débats, parce que ça commence à bien faire, vraiment. Because it is really unacceptable. I thank counsel for his clarification that he won't ask questions to this witness. Je remercie l'éclaircissement apporté par l'avocat, à savoir qu'il ne procédera pas à l'interrogatoire de ce témoin. Nous réaffirmons que ce serait une bonne pratique d'obtenir une renonciation de Kusampan afin de dire qu'il ne soulevera pas en appel l'argument du conflit d'intérêts dû à la double représentation de son conseil. Je prends l'avocate au mot quand elle dit que Kusampan n'a aucun problème à ce que son avocat ait représenté d'autres auparavant. Et il n'y aurait donc aucun problème que Kusampan fasse un tel document. C'est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt des parties. Je ne vais pas rentrer dans un long débat. J'ai pratiqué dans une compagnie de droit de 600 personnes. Et lorsque on représentait quelqu'un, nous faisions des rapports de suivi sur tous nos clients présenté par les 600 avocats. Et c'était une bonne pratique pour nous d'obtenir un document de renonciation écrit du client. Je ne pense pas que ceci devrait poser problème ici, que Kusampan accepte de renoncer à invoquer le conflit d'intérêts à l'avenir en appel. The standby counsel that was appointed in the Supreme Court proceedings, it's not an analogous situation at all. Commis d'office en appel, ce n'est pas une situation analogue. Cet avocat n'avait pas représenté Nunchea. La Cour suprême, la Chambre de la Cour suprême, avec clairement dit que d'abord, ce n'était pas un amicus courrier qui devait représenter la personne. Et monsieur l'avocat de Nunchea n'avait pas fait objection au niveau de la Chambre de la Cour suprême à la commission d'office de cet appel. Je pense que les débats ne portent pas du tout sur la question qui nous intéresse ici. We did just for the record F2/10, Mr. President. Document F2/10. That is our request for reconsideration to the Supreme Court. C'est la demande en réexamen de la décision. Reconsider the decision not to summons Heng Samrin. De la Chambre, la Cour suprême, de ne pas citer à comparaître Heng Samrin, Robert Lemkin, paragraphe 14. This matter of clear conflict nous avons discuté de cette question de conflit d'intérêts réel dans le cadre de cette procédure en appel. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une clarification, parce que je pense qu'il y a peut-être des problèmes de traduction. Clarifications here, because j'ai entendu des explications de Monsieur le Procureur. Maître Kong Samon n'est pas au franc de ne pas interroger les témoins qu'il a assistés en tant que témoin dans le dossier 1, il est offrant de ne pas les interroger si ceux-ci se sentiraient
aurait l'impression que leur il y aurait un conflit d'intérêts et qu'ils ne seraient pas mal représentés si Kongsamon venait à leur poser des questions. Donc ce n'est pas une proposition en blanc, c'est une proposition conditionnelle à la position prise par Kessampan. Par ailleurs, je note que M. Kessampan est présent dans la salle d'audience, qu'il a entendu l'ensemble des observations concernant l'existence d'un possible conflit d'intérêts. Je pense que s'il souhaite réagir, il peut le faire. À ce stade, je n'ai pas noté qu'il ait l'intention de réagir. We haven't taken note of any intention on C'est ça, effectivement, je pense qu'il y a eu un problème de communication. En tout état de cause, moi je viens d'une juridiction où effectivement j'ai l'habitude, lorsque je parle en présence de mon client et que j'affirme quelque chose par rapport à sa position, je n'ai pas l'habitude qu'on considère que ma parole ne suffise pas. Donc c'est en ce sens peut-être que je suis intervenue pour dire que nous estimions que le waiver, quelle que soit la traduction en français, n'était pas nécessaire. Maintenant, je serais plutôt du sens, effectivement, de M. le juge Laverne qui indique que si M. Kessampan avait quelque chose à dire de différent de ses avocats aujourd'hui, il pourrait le faire. Ça me semble, à mon sens, amplement suffisant. Maintenant, la Chambre est libre d'en décider autrement, mais pour moi, la position de mon client, compte tenu des débats, est parfaitement claire. Bearing in mind the discussions we've had, is perfectly clear. I believe we should end these issues now. Je pense que nous sommes arrivés au terme de l'analyse de cette question. C'était un problème mineur qui semble avoir pris des proportions surdimensionnées. The Chamber would like to thank the le président, la Chambre aimerait remercier les parties pour leurs observations et réponses relativement à la demande de Nunchia. The Chamber will use appuyé par those le co-procureur. La Chambre se servira de ses observations pour fonder sa décision. Une décision orale sera rendue après la courte pause. Nous allons à présent entendre la déposition du témoin de TCW 919. Ici d'audience, faites entrer le témoin dans le prétoire.
Good afternoon, Mr. Le Witness. Président. What is your name? Bon après-midi, Monsieur le Témoin. Comment vous appelez-vous? Answer. Réponse. Mr. President. Monsieur le Président. My name is Nhem. Je m'appelle Nhem. President, thank you, Mr. Nhem. Merci. Can you tell the chamber when were you born? Quand êtes-vous né? Answer. Réponse. I was born on 9 September 1961, said the witness. President, question. Where were you born? Où êtes-vous né? Answer. Réponse. I was born in Trapeang Mieh Village, Trangal Sub-District, Kampong Laeng District, Kampong Chenang Province. President, thank you. Le président. Merci. What about your current address? Où résidez-vous actuellement? Answer. Réponse. I lived in Thnol Kaeng Village, An Long Veng Sub-District, An Long Veng District, Siem Reap Province. Province I have two Siem Reap. Houses, one in Siem Reap City, Siem Reap Province. À Siem Reap, notamment. President. Le président. What is your current occupation? Quelle est votre profession actuelle? Answer. Réponse. In the past, I was passé, a district deputy chief of An Long Veng District. Later on, I resigned from the post. Ensuite, j'ai démissionné. But the government transferred me to Odor Mien Chay. But currently, I have just resigned from the position. Actuellement, je suis démissionnaire President, de ce poste. Could you please speak slowly because Le the interpreter need to follow and interpret what you said from Khmer into a different, into another language? Dans les autres langues de travail. So if you have resigned from the government vous avez job, donc démissionné don't you have de ce any poste de job right now? Êtes-vous aujourd'hui sans emploi? Answer. Réponse. Nowadays, I have a business. Actuellement, j'ai un commerce. I cooperated with a Korean business partner. J'ai un partenaire commercial coréen. Producing books about nous produisons des livres my past story sur at Tulslang Prison. Mon passé. À la prison de Tulslang. Which focus on the period between 1975 pour la période to 1979, de 75 à 79 the period when I worked at the prison. Lorsque j'ai travaillé President, à cette prison. Thank you. Le président. Do you bring along the book with you Merci. Now? Avez-vous apporté avec vous Answer. Un livre? Réponse. I thought that you would ask for the book when I arrive here, but I do not have the book with me right now. I can bring the book tomorrow. Je pensais bien que vous allez peut-être President, me le demander, mais je n'ai pas you. Ce livre avec moi aujourd'hui. Je peux le ramener demain. Parents' Question. Name. Comment s'appellent vos parents? Answer. Réponse. My father's name is Nhem Mieh. Mon père est Nhem Mieh. He's already deceased. Il est décédé. And my mother's name Ma is mère, Huan Chia. Also deceased. Kun Chia est décédé aussi. President, what is your spouse's name Comment and how many children do you have? Et combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. Related to my family, in 1980, en I got married in the jungle. Je me suis marié and I had dans six la forêt. I had six children. And then in 1985, nous avons six enfants, et ensuite, en 1900, I got separated from my 85, wife, and then I got j'ai été married with another woman, and now we have one child. Je me suis remarié, nous avons President, un enfant. What is your current wife's Le président, name? Comment s'appelle votre épouse Answer, actuelle? Answer. Her réponse. Name is So Bonnery. Sou Bonnery. She's a teacher at Elle est enseignante. High school. In Siem Reap. Au lycée de Siem Reap. President, thank you, Nhem Ain, and based on the report Merci. From Merci.
from the greffier this morning that you had no relationship to the accused, that Don Chi and Kyu Sompon, and to the individuals who have been admitted into this court. Civile. Is that report correct? Exact. Answer, yes, that is correct. Réponse, oui. But I... but I worked with them, President. Mais j'ai travaillé avec certaines de ces personnes, le président. That is not related to the legal proceeding. The legal proceeding just c'est sans rapport avec require la procédure you not to be in relation by blood or by law. Il faut simplement s'assurer que vous n'avez aucun accused. Lien de parenté par alliance ou par le sang avec have you already les made accusés. An oath before avez-vous prêté serment the iron statue devant la statue before you came into this courtroom? Answer. Réponse. Yes, I already took oui. an oath before the iron statue. President, thank you. Le président. Mr. Nhem Ayn. Merci. Now we inform you about your rights and obligation in front of this courtroom as a witness. En qualité de témoin. As a witness in the proceeding before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comment that could lead you to being prosecuted. Your obligation. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your right as a witness. You must tell the truth that you have known, sur ce que vous heard, savez, seen, avez vu, remember, entendu, vécu, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties posed to you. Par la question du juge ou de la partie. Mr. Nhem Ayn, have you ever given Monsieur interviews Nhem to the investigators from the OCIJ office? And if you have, du bureau des how many juges times et si and à combien where de reprises did those interviews take place? Et à quel endroit? Answer. Réponse. In 2008, the investigators en 2008, invited me to this court. M'ont convoqué au tribunal. And then I was interviewed another time in Siem Reap, so there were twice. But I was also interviewed by national and international newspapers. Des journaux cambodgiens et étrangers. President, thank you. Le We want to know about your interviews provided to the investigators from the OCIJ. Vous avez donc été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Based on the proceeding, you have mentioned that you have provided two interviews vous dites avoir été entendu to the fois. Investigators. Before you came to this avant courtroom, have you already avez-vous pris connaissance des procès-verbaux d'audition en question? That you provided to the investigators? Answer, yes, I have réponse. Read 2 points. Oui. The first point, I met a journalist. Il y a 2 points. J'ai rencontré un journaliste. And I also read something related to the law, to transparency, des and sur des questions de droit, de transparence. President, based on your recollection of what you have read, le président, whether d'après vos souvenirs, the statement you provided in the interviews corresponded with what you really told the interviewers, the investigators. Answer. Based on my réponse. Examinations,
during Democratic Cambodia regime that lasted for sous le régime du Cambodge démocratique, 8 months, qui a duré 3 ans, 8 mois I et 20 jours. Totally agree. Différentes President choses se sont produites. Judge Fenn has a number of questions a des questions that à poser, you may président. Wish to put to Nhem Ayn before the break time. Et ce avant la pause. La juge Fenn's. Witness, the defense has asked for your book to be admitted into evidence, témoin, but nobody has seen the book so a demandé far, à ce que soit versé so that's why I have au dossier a couple of votre questions livre, mais personne n'a encore vu ce livre. J'ai donc des questions à vous poser pour nous aider à nous prononcer sur le versement de ce Please livre au débat. Short. Veuillez répondre de façon très First of all, what's concise. The title of Premièrement, the book? Comment s'intitule votre livre? Madame Judge, my book. Réponse, Madame la juge. Title le titre is en est Nhem Ayn, Nhem Ayn, the photographer of Tuol Sleng prison le photographe in Democratic Cambodia de la prison regime. De Tuol Sleng sous le régime du Cambodge démocratique. Tomorrow I will bring 50 books and will Demain, give to je vais judges vous and apporter 50 parties livres. In je vais this en remettre. Un exemplaire au juge et au parti. At the moment, we are not distributing anything. At the moment, I'm just asking you questions about La the juge book. Fens. Who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Réponse. I compiled this book long time ago. J'ai écrit ce livre il y a longtemps. I compiled it by myself Je and I had an assistant named Bura who assisted me. He's a Cambodian-American and he's an advisor un to Prime Minister Hun Sen. Qui est conseiller du Premier ministre Hun Sen. I would like to compile this book so that the si later generations ce livre, c'est pour can que study about les Democratic Cambodia. We might get into details of this book later. La juge, Please on now reviendra try plus short tard answers. Aux détails. Pour l'instant, so you répondez wrote the de book, façon concise. What exactly c'est donc was the role of vous qui avez écrit ce livre. Co-author or of the second Il n'y a donc person. Pas eu de... Quel a été le rôle de cette deuxième personne? Était-ce un co-auteur? Est-ce que cette personne a publié le livre? Est-ce que cette personne l'a traduit? Quel a été son rôle? I wrote it myself, Je l'ai écrit moi-même, another assistant that I seek help tout seul, from. Mais j'ai été assisté par okay. quelqu'un. This book is available Question. In what languages? Dans quelle langue ce livre est-il disponible? Réponse. The book is published in English, but I have the plan to have the book translated anglais, into 17 languages in Chinese. De le faire traduire en 17 langues. And being the book exists in English. It doesn't en exist chinois in notamment. La juge Fens n'existe-t-il pas en Khmer? Does it? Ou bien oui? No réponse. Khmer wasn't yet. Il n'y a There pas encore de version Khmer. Only the English version. Seule existe la When version When did you anglaise. Write the book? Question. Malheureusement, la juge Fens intervient trop rapidement et le début de son intervention est à chaque fois inaudible. Réponse. After I resigned from the j'ai deputy démissionné chief de mon poste district, de gouverneur adjoint du district et après cela, book. J'ai commencé à rédiger le livre. Talking about. Question inaudible Say à nouveau, when malheureusement. Was the book published? The book réponse. Became Available on sale on le livre a été mis en vente first of January, le 1er 2015. Mm-hmm. La juge fait. Or or S'agit-il d'un livre de fiction ou bien d'un livre relatant des faits réels, ou bien les deux? Mm-hmm.
Understand the question? Réponse. I told about my true story in this book. J'y relate mon histoire réelle. It's about my true experience mon expérience that I had during du Kampuchea démocratique. That partly answers my last question. What is the book about? Vous n'avez pas vraiment répondu à ma dernière question. Quel est l'objet du livre? The book réponse. Is about ce livre. The time when I started working in Tools Line de l'époque où j'ai commencé à travailler à Tools Line en 1976. It's about the overall experience il and y est question work de mon expérience, de mon travail a photographer en tant que photographe in the prison, dans cette and prison. I describe it in at length j'y décris for about 80 pages. En détail ce qui s'est and passé my last question, sur environ 80 pages. Why did you decide in 2015 to write this book? Pourquoi est-ce en 2015 que vous avez décidé d'écrire ce livre, soit 40 ans après les événements? Réponse. I love history. I j'aime have l'histoire. A passion in history. L'histoire me passionne. I have very good memory j'ai of events. Gardé une mémoire très vive des événements. But I have the experience of being cheated by foreigners mais who came to interview me. J'ai été berné par des étrangers qui sont venus m'interviewer. Go back without any returns. Thank you. Sans que no cela ne me soit utile. La juge Fence, yeah, je monsieur. N'ai plus de bah, questions. Con, le président. Thank merci, you, Mr. Nhem. Monsieur Nhem. We just introduce you into the courtroom in your capacity as a witness, but it is now appropriate time for a short le afternoon break. Est venu d'observer une court officer, pause. Please bring Mr. Nhem into Monsieur the room reserved for him. Le témoin dans la salle and d'attente. Please bring him back into the courtroom at 3:10. The court is now in recess. Suspension de l'audience.